L'île française des Dom-Tom fait l'objet depuis quelques heures d'un crossover événement entre deux familles appréciées de familles nombreuses, la vie en XXL. Il y a quelques mois, toute la famille Janson quittait la région parisienne pour s'installer sur l'île de la Réunion. Un déménagement qui ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, notamment lorsque leurs bagages sont arrivés plus tard qu'envisagé, mais aussi quand il a fallu tout quitter pour tout reconstruire. Ils ont tout quitté pour s'installer à La Réunion, un événement important dans une vie de famille, mais que les Janson ont néanmoins pris l'habitude de faire. Il ne reste ainsi pas plus de quelques années sous le même toit, ils étaient à Paris depuis 3 ans, et résidaient avant aux États-Unis. Mais depuis leur arrivée, et une fois les pépins des débuts derrière eux, les Janson profitent chaque jour du beau temps de l'île. Grande amatrice de randonnée, Marie-Alix Janson partage ainsi à ses 292 000 abonnés sur Instagram sa petite vie de sportive, mais aussi les moments de détente avec le reste de la tribu. Ce périple offre également quelques surprises, puisque depuis quelques heures, elle a pu retrouver une autre famille bien connue des téléspectateurs de familles nombreuses, la vie en XXL, il s'agit des Gaïa. Marie-Alix Janson souhaite la bienvenue aux Gaïa et ne profite pour souhaiter la bienvenue de tout mon cœur à la famille Gaïa, indique Marie-Alix en story, je leur souhaite plein de découvertes, plein de bons moments, je sais qu'ils vont croquer cette île à pleines dents, et qu'ils vont en profiter pour voir un peu de famille. Un message de bienvenue qui s'est plus tard transformé en rencontre improvisée autour d'un café bien mérité après les nombreuses heures de vol. Arrivés sur place, les Gaïa ont dû se changer, quittant la froideur de l'Hexagone, il fait déjà plus chaud à La Réunion. À tel point que des glaces ont ensuite été commandées, histoire de rafraîchir toute la tribu. Les deux familles ne vont toutefois pas passer tout leur séjour ensemble puisque les Gaïa sont là pour retrouver des proches. Mais les aficionados de familles nombreuses seront sans doute heureux de les retrouver côte à côte, quelques semaines après qu'elles aient toutes les deux quitté le programme. À lire aussi on n'a absolument aucun regret, Marie-Alix Janson célèbre les 2 ans de familles nombreuses, la vie en XXL et dresse le bilan de son aventure.